Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm -hmm.

mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir. Mmh, mmh, la miséricorde. La miséricorde. Eh, la miséricorde. la mmh, miséricorde. Mmh. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la mini magasin. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Mmh, la miséricorde. Ah la miséricorde. Ah la miséricorde. Oh la miséricorde. Mmh.

Hmm. <laughs> if you are three, which what would it be? Oh, la misericorde, oh, eh, la misericorde. What do you spend your money most on? brought you to TikTok okay where are you from mm -hmm. where are you from this one interest me mm -hmm. mm -hmm. la miséricorde la miséricorde la mm -hmm. miséricorde mm -hmm. mm -hmm. Oh la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Oh Jésus. Oh la miséricorde so. mmh, la miséricorde mmh, La miséricorde Bonsoir que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Ah, bonsoir, euh, reine Bolongo. Que Dieu vous bénisse. Comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous allez? La Sœur Reine boulongo. Alors comment vous allez ma soeur? Comment vous allez? Hmm. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, ça va. Ça va pas? Oh là là, ça, ça devient intéressant. Ok. Hmm. Merci beaucoup pour l'abonnement, que Dieu vous bénisse. Alors pourquoi ça ne va pas? Dites-le moi s'il y aura possibilité de le dire en direct par commentaire. Sinon, je peux vous donner mon WhatsApp. Pourquoi ça ne va pas Je donne mon WhatsApp. Ça ne va pas hmm. Le grand frère, bonsoir. Le grand frère 242, bonsoir. Si vous êtes encore là hmm. ok ok ah, vous êtes reparti ok <coughs> désolé mon <coughs> whatsapp c'est le plus 242 04 093 57 21 Plus 242 04 093 57 21 Alors, ma sœur est-ce que vous avez noté? Plus 242 04 093 57 21 Vous pouvez m'écrire. Et je vais lire votre message et vous répondre. Parce que ça doit aller. Mais peu importe ce que vous êtes en train de traverser, laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir. Alors, lorsque j'étais jeune, voilà, j'ai saisi l'occasion, hein? j'ai saisi l'occasion lorsque tu m'as dit que ça n'allait pas. Euh, lorsque j'étais très, très jeune, j'étais tout petit, il y avait une émission chaque soir qui passait à la radio Bonne Nouvelle au Cameroun. Ouais, parce que actuellement je suis au Congo Brazzaville, mais j'étais au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Pardon, désolé. Et cette émission à la Radio Bonne Nouvelle tous les soirs, je crois, c'était ouvert les 19h comme ça. Il y avait la chanson pour la chanson qui était comme son générique, c'était Il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution, il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ, il y a de l'espoir pour toi. Et tu auras la vie, il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix, il y a de l'espoir pour toi. Pour toi à Golgotha, il y a de l'espoir pour toi. Ma sœur-Reine, il y a de l'espoir pour toi. Donc il y a de l'espoir pour toi, ma sœur reine. Peu importe ce que tu es en train de traverser, sache que il y a de l'espoir. Donc nous allons prier. Tu vas bien m'expliquer cela et nous allons prier que le Seigneur te donne déjà la force. Parce que quand tu respires, quand tu as encore la possibilité, oui il faut garder la foi. Il faut garder toujours garder la foi. Toujours garder la foi. Il faut toujours garder la foi. Et crois-moi, le Seigneur va agir. Alors, je crois bien que votre algorithme sur TikTok, parce que moi je suis dans mes débuts avec ces directs, ça demande qu'on puisse tapoter pour pour essayer d'augmenter la visibilité. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Aidez-moi à tapoter là un petit peu. Voilà, ça va nous aider à avoir plus de visibilité parce que nous sommes dans ces débuts, dans les débuts des directs. Hmm. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, donc un j'aime, c'est 15. Waouh, un tapotement, c'est 15 j'aime. Waouh, merci beaucoup. Donc, si vous tapotez beaucoup, j'aurai beaucoup de j'aime ici, là. Voilà. Ma sœur Anne, garde espoir, garde foi, comme tu l'as dit, et crois-moi, le Seigneur va agir. Nous traversons tous des moments d'une manière ou d'une autre. Même Jésus lui-même a eu à traverser des moments difficiles. Juste avant la crucifixion et même pendant la crucifixion. Mais la Bible précise sur le jardin de gethémané La Bible dit que Jésus a agonisé. Il a tristé. il a eu l'angoisse. Il a, il a angoissé. Il était angoissé, je voulais dire. Donc, peu importe ce que tu traverses, garde espoir. Garde espoir. Et le Seigneur agira. Voilà. TikTok me dit, plus de j'aime attire plus de spectateurs. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, merci beaucoup pour vos j'aime là, parce que ça attire plus de spectateurs. Donc, si vous pouvez vraiment tapoter, tapoter. Même si c'est la sœur reine qui est encore là, ça nous aide. Et croyez-moi que le Seigneur va agir. Voilà. Je viens prier pour toi déjà avant de savoir même le problème parce que en priant le Seigneur peut me montrer avant que tu m'expliques même. Je prie que le Seigneur commence à consoler ton cœur. Je prie que le Seigneur commence à guérir les blessures. Que le Seigneur guérisse les blessures. Que le Seigneur guérisse les blessures internes. Que le Seigneur guérisse les blessures internes les blessures internes, les blessures internes, que Dieu puisse guérir, que Dieu te guérisse au nom de Jésus-Christ, que Dieu opère là où les hommes ne peuvent pas opérer, que la main de Dieu commence à opérer dans ton cœur au nom de Jésus, que la puissance de Dieu commence à opérer à partir de ce soir au nom de Jésus. Je déclare que ta solution est déjà là. 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 Alors, pendant que je suis en train de prier pour toi, pendant que je suis en train de prier pour toi, je vois un cœur en train, n'est-ce pas, de, 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 de. Comment on dit cela? Un cœur en larmes, un cœur vraiment bousillé. Pendant que je suis en train de prier pour toi, je vois la situation de ton cœur à un état. Un état. Euh, voilà. J'ai vu l'image, mais je suis en train de chercher les mots pour mieux l'expliquer. Mais bon. J'ai vu l'état de ton cœur. J'ai vu que c'était un cœur en difficulté. Pardon? Un cœur euh, rempli de déceptions. J'ai vu beaucoup de déceptions. Merci beaucoup pour vous qui côté. J'ai vu beaucoup de déceptions dans ton cœur. Pendant que je priais pour toi. Ah, c'est la vérité. Voilà. Voilà pourquoi je dis, lorsqu'on prie, le Seigneur peut commencer à me parler avant même que vous puissiez m'expliquer vous-même. Mais pendant que je priais, je voyais ce cœur en train de saigner, un cœur rempli de déception. Crois que le Seigneur qui m'a révélé cela, il est le même Seigneur qui a commencé, a commencé à te guérir. Il 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 a commencé à te guérir. Et pendant que je continue à prier pour toi, n'est-ce pas? Je vois encore d'autres images. Je vois d'autres images. D'autres images. Et comment je peux décrire ces images? Sache que tout ce qui t'a fait pleurer, toutes les choses qui t'ont fait pleurer, Dieu commence à le changer en célébration. Crois-moi. Parce que je ne veux même pas trop détailler. Mais les mêmes choses qui t'ont fait pleurer, les mêmes situations qui t'ont fait pleurer, Dieu change ces situations. Et tu vas célébrer au nom de Jésus-Christ. Et je viens prier pour une saison de célébration dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je viens prier pour une saison de célébration anticipée. Que la célébration entre dans ta maison. Que la célébration entre dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux vous poser une question, sœur Reine? Vous voyez, lorsqu'on commence à prier, il y a d'autres choses qui commencent à se, à se dessiner. Est-ce que je peux vous poser une question? Où sont vos parents S'il vous plaît. Ou alors si vous voulez, vous pouvez reprendre en privé. Parce que pendant que je priais, j'ai vu l'image de vos parents. J'ai vu l'image de vos parents. J'ai vu l'image de vos parents pendant que je suis en train de prier. J'ai vu l'image de vos parents. Mais j'ai vu une situation un peu... Voilà. Où sont vos parents Mohamed mmh. 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 Kola Yaya, que Dieu vous bénisse si vous êtes encore là. Soyez bénis. Mmh. En tout cas, voilà, vous devez beaucoup prier aussi pour vos parents. Je ne sais pas euh, quelle est leur situation, mais j'ai vu l'image des parents. J'ai vu l'image des parents. Il y a quelque chose que le Seigneur a permis que je puisse voir comme flash. Mais peu importe. La prière, c'est la clé. Mmh. Merci beaucoup pour les j'aime. Merci beaucoup pour les j'aime. Ça a augmenté. Vous voyez, ça augmente la visibilité. OK. 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 okay. okay. Voilà l'image que j'ai eue. Voilà l'image que j'ai vue. Euh, j'ai vu l'image des parents et j'ai vu la main de votre maman. J'interprète cela que c'était votre maman, une maman, parce que j'ai vu une maman et un papa. La main de votre maman, n'est-ce pas, euh, s'est séparée de votre papa. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai vu cette image. Je ne sais pas si cette séparation, c'était due aux deux, pardon, la mort de papa, ou alors cette séparation. C'est dû à autre chose. Ou alors c'est dû à autre chose. Parce que parfois, vous, 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 euh, vous décédez, le monde est spirituel. Parfois vous décédez, mais on peut dire les alliances, on peut dire, les voilà, les alliances passées continuent à parler. Alors, pendant que je tente de prier pour vous, j'ai vu l'image, n'est-ce pas, de vos parents, et j'ai vu la main de votre maman lâcher, la main de votre papa. C'est la raison pour laquelle je posais cette question. Alors, peut-être, c'est juste pour signifier. Ah, elle s'est remariée. OK, OK. OK. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez que lorsque nous prions, nous, avons, nous voyons des images. Le Seigneur permet qu'on puisse voir des images. Et c'est l'image que j'ai vue. Mais nous allons continuer à prier. Le Seigneur va encore révéler davantage des significations. Mais ce qui est sûr... L'image me montrait que votre maman n'est plus avec votre papa. C'est la raison pour laquelle je posais cette question. Donc, heureusement que personne n'a. Mais je voyais que votre maman n'était plus avec votre papa. J'ai vu la main de votre maman laisser la main de votre papa. C'était l'image que j'ai vue. Mmh. Soyez bénis, merci beaucoup pour les j'aime. Vous qui continuez à tapoter, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes à Pointe-Noire, ok mmh. Vous êtes à Pointe-Noire. Rattaché à une église mmh? La sœur Reine, est-ce que vous êtes rattaché à une église Et Juste pour faire connaissance hein? mmh. À Pointe-Noire, moi je suis à Brazzaville. Soyez béni, soyez béni, soyez béni. Je prie que le Seigneur te fasse du bien cette semaine. Je prie vraiment que le Seigneur te fasse du bien cette semaine. Que cette semaine ne termine pas sans que tu ne voyes un changement significatif. Que cette semaine ne termine pas sans que tu ne vois un changement significatif dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'ouvre les portes, que le Seigneur t'ouvre les portes, que le Seigneur t'ouvre les portes, au nom de Jésus. Ah, vous êtes servant de Dieu. Vous êtes servant de Dieu. Donc, vous-même, vous êtes responsable de l'Église. Ok. 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 Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous allons parler sur WhatsApp. Hmm. Nous allons parler sur WhatsApp. Et le Seigneur peut-être va nous donner plus d'orientation. Nous allons prier. Alors, chers servants de Dieu, je ne veux pas vous cacher. Il y a quelque chose de célébration. Quand je dis célébration, peut-être vous pouvez déjà voir l'image. Mais je réitère. Je réitère, les mêmes choses qui vous ont fait pleurer, Dieu va, Dieu va changer ces choses. Dieu est en train de changer ces choses en sujet de célébrations. Et lorsque je dis célébration, j'ai vu la première célébration, célébration du mariage. Je ne sais pas si vous êtes encore célibataire, mais la première célébration que j'ai vue, c'est célébration du mariage. Là, c'est l'image que j'ai vue. Donc, j'ai vu, n'est-ce pas? Ce cœur attristé, rempli de déceptions. mais Dieu a changé cela. Dieu a changé cela. Dieu a changé cela. Et le Seigneur est en train de me dire, ah, vous êtes célibataires, bientôt le mariage arrive. Bientôt le mariage arrive. Le Seigneur est en train de me dire, de vous dire, de le servir encore davantage. Elle est repartie Elle est repartie hmm. Donc euh, Le mariage est là Mais tu dois servir Dieu Tu dois servir Dieu Merci beaucoup pour vous qui tapotez hein, Vous êtes arrivés Que Dieu vous bénisse Aidez-nous à tapoter Quand vous tapotez Ça, ça permet à ce que le, le truc soit plus visible. Que le Seigneur vous bénisse. Reste connecté, c'est-à-dire reste, serre Dieu davantage, serre Dieu davantage, évite la distraction, évite la distraction, et le Seigneur va continuer à ouvrir des portes pour vous, au nom de Jésus-Christ. Les carrosses à des et nos os Que Dieu vous bénisse. Je prie que le Seigneur puisse te garder cette nuit. Je prie que le Seigneur te garde, que le Seigneur garde ta, ta nuit, qu'il garde ton sommeil, que les, aucune attaque ne puisse t'atteindre cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, les attaques des sorciers, les attaques des marabouts, les attaques Nocturne, aucune attaque ne t'atteindra cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te préserve de toute forme de danger que Dieu te préserve de toute forme de danger. Que Dieu te préserve, que Dieu te prépare des choses meilleures, des choses excellentes, des choses meilleures, des choses excellentes au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'ouvre les portes. Je prie que le Seigneur t'ouvre les portes de mariage. Je prie que le Seigneur t'ouvre les portes des finances. Je prie que le Seigneur t'ouvre les portes. Il y a des personnes que je suis en train de voir en train de voyager. Alors que je dis porte de voyage, j'ai vu des personnes en train de voyager. Alors je ne sais pas quels sont tes projets, mais je prie que le Seigneur t'ouvre les portes de voyage. Je prie que le Seigneur t'ouvre les portes d'emploi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que tes dossiers soient acceptés. Que tes dossiers soient admis au nom puissant de Jésus. Que tu passes aux interviews et que tu gagnes ce travail. Que tu sois retenu au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune force aucune force ah vous envisagez voyager wow vous envisagez voyager Parce que pendant que je suis en train de prier j'ai vu euh, quelqu'un dans l'aéroport j'étais vu enfin quand je dis je vous ai vu j'ai vu une personne je sais que vous êtes que peut-être à deux pour l'instant j'ai vu quelqu'un en train de voyager alors le Seigneur ouvre encore des portes de voyage le Seigneur est en train de certifier ce voyage au nom de Jésus Christ que tout ce qui était complication que tout ce qui était tout ce qui était en bouille, que cela provienne du monde mystique. Que ça libère ton projet au nom puissant de Jésus. Ton projet de voyage aboutira. Je le déclare au nom de Jésus. Ton projet de voyage aboutira. Aucune force de sorcellerie ne va l'empêcher. Aucune force des maraboutages ne va l'empêcher au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur commence à te précéder dans les ambassades. Que le Seigneur commence à te précéder. 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 Que le le Seigneur commence à te précéder au oh, nom puissant de Jésus, au oh, nom puissant de Jésus. Alors, je connais pas où vous êtes en train de partir, mais pendant que je prie, moi je vois France. Je sais pas où vous êtes en train de partir, quels sont vos projets, mais pendant que moi je prie, j'ai vu France. Je, France. je vois France, 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 je vois France. Alors, ça veut dire que le Seigneur va te conduire là-bas d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur va te conduire dans ce pays-là d'une manière ou d'une autre. Au nom de Jésus, que les portes de voyage, que les portes de voyage s'affirment au nom de Jésus, que les portes... Ah, vous voulez aller là-bas, alors c'est Dieu qui vous connaît, moi je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. On fait connaissance ici et aujourd'hui. C'est Dieu qui vous connaît. Parce que pendant que je suis en train de prier, j'ai vu France. J'ai voulu me retenir. J'ai dit, je faisais que voir France. Je faisais que voit France. Je faisais que voir France, qu France. Je prie que le Seigneur commence à affirmer ce voyage au nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur commence à, à, à combattre pour ce voyage. Parce que ce voyage réussira. Ce voyage aboutira. Ce voyage aboutira. Ce voyage aboutira. Ce voyage aboutira au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, lorsque tu vas commencer tes démarches, ou si tu as déjà commencé, il va arriver à un moment, les choses vont sembler être compliquées. Mais ne baisse pas les bras. Parce que Dieu te donne ce voyage. Il va arriver un moment de turbulence pendant ton projet. Mais ne baisse pas les bras parce que Dieu te donne ce voyage. Je le déclare au nom de Jésus. Ce voyage aboutira. Coûte que coûte, ça va aboutir. Ça va aboutir. C'est Dieu qui te connaît. Moi, je ne te connais pas. Mes larmes coulent. C'est Dieu qui te connaît. Moi, je ne te connais pas. Ça va aboutir. Au nom puissant de Jésus. Et aucune force de sorcellerie, aucune force, que ce soit une force naturelle, une force surnaturelle, n'a de pouvoir, de pouvoir freiner ce voyage, ce projet, au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur va ouvrir les portes. 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 Le au nom de Jésus. Pendant que je prie toujours pour toi, pendant que je suis en train de prier pour toi, pendant que je suis en train de prier pour toi, je vois, je vois en toi euh, un désir de faire du business. Je vois en toi un désir de faire du business. Je vois en toi un désir de faire du business pendant que je prie pour toi. Je vois en toi un désir. Il est un désir de faire du business. Je vois cela, je vois cela, que le Seigneur commence maintenant à te donner des compétences adéquates, que le Seigneur te donne toutes les compétences adéquates au nom de Jésus-Christ, qui te donne les idées. Des idées qui vont t'amener à une carrière de business florissante, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus au oh nom puissant de Jésus. Ah, elle dit que c'est vrai. Elle dit que c'est vrai. C'est Dieu qui te connaît. C'est Dieu qui te connaît. Alors, toi également qui entres dans ce live, que Dieu te bénisse. Dans ton sujet de prière, nous allons prier ensemble. Même si tu ne donnes pas, il faut juste te saluer et le Seigneur lui-même va conduire. N'hésite pas. N'hésite pas. Parce que c'est Dieu qui te connaît. Moi, je ne te connais pas. C'est l'Esprit de Dieu qui te localise. Là où tu es. Aide-nous seulement à mettre des likes, des j'aime, des tapotés. Ça nous aide à. Avoir un peu de la visibilité pour la prière. Vous tapotez souvent pour des choses, des blagues. Vous tapotez pour Shalom, bien-aimé, qui lit Alors, vous nous écrivez, vous êtes connecté depuis quel coin du monde Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La Onésie Parada, Chaudia Les Soyez bénis au nom de Jésus. 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 Je reviens sur la sœur Le Seigneur est en train de te donner des compétences. Il est en train de te capaciter pour que tu puisses être une femme d'affaires puissante et influente au nom de Jésus-Christ. Hum. Soyez bénis, soyez bénis, abondamment bénis au nom de Jésus Christ. Alors, je ne sais pas pourquoi, lorsque je prie, j'ai vu l'image d'une personne qui a, a eu une, une, une sorte d'accident pendant que tu es en train de nettoyer la maison c'est récent, c'est pas lorsque je prie j'ai vu là, C'est une dame, une sœur. Tu as eu comme une sorte d'accident léger accident, comme tu as glissé pendant que tu étais en train de faire le ménage. Pendant que je prie j'ai vu cette image. J'ai vu cette image. Je sais pas si la personne est connectée encore, si la personne est là. Pendant que je suis en train de prier j'ai vu cette image. Est-ce que la personne est là? Est-ce que la personne est là? Shuiyamanezé Merci beaucoup pour vous qui partagez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour vous qui tapotez. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Est-ce que cette personne est là? Est-ce que cette personne est là? Est-ce que parmi les gens qui sont connectés, il y a cette personne? Pendant que tu es en train de faire du ménage, il dit, il y a quelques jours, tu as eu à faire un petit accident, un léger accident. Je sais pas, tu ne t'es pas fait forcément mal. Tu as comme glissé. Alors je viens prier que le Seigneur, je ne sais pas si la personne est là ou alors si c'est une chose de futur, mais je prie que le Seigneur t'épargne de toute forme d'accident, de toute forme d'incident. Il, il, il y a des petits accidents que parfois tu le fais. Sans le savoir. Sans le savoir, c'est quelque chose qui a été programmé dans le monde spirituel. Tu penses que non, j'ai juste glissé. Alors que dans le monde spirituel, ça a beaucoup de significations. Je prie que le Seigneur t'épargne de toute forme d'accident cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur t'épargne de toute forme d'accident cette semaine. Aucun accident. Aucun accident orchestré contre toi, aucun accident orchestré contre ta santé ne va prospérer au nom de Jésus. Tout plan d'accident contre ta santé, tout plan d'accident contre ta vie est annulé au nom puissant de Jésus. Et annulé au nom puissant de Jésus. Annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Au, Jésus au nom de Jésus, tu ne feras pas d'accident. Interdiction formelle à toute forme d'accident au nom puissant de Jésus-Christ. Au Nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Les Je prie que le Seigneur t'ouvre les portes des finances. Je prie que le Seigneur t'ouvre les portes des finances. Je prie que le Seigneur t'ouvre les portes des finances. Finance, au nom de Jésus Christ, que l'argent vienne. où tu ne t'attendais du mois. Que l'argent vienne. Que l'argent vienne. Au-delà de ton salaire, je dis au-delà de ton salaire, au-delà de ton salaire. Cette semaine, cette semaine, au-delà de ton salaire, tu verras que ton argent va augmenter. Je déclare au nom de Jésus et je prophétise. Au-delà de ton salaire, cette semaine. Je ne parle pas la semaine prochaine. Je dis cette semaine, cette semaine, cette semaine. Cette semaine au-delà de ton salaire, au-delà de, te, de tes avoirs normaux, au-delà de tes avoirs conventionnels, Dieu va augmenter tes avoirs. Il augmente tes finances cette semaine. Tu verras cette bénédiction financière au nom de Jésus. Tu verras cette bénédiction financière au nom de Jésus. Tu verras cette bénédiction financière au nom de Jésus. Tu verras cette bénédiction financière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attention aux inconnus. Attention aux inconnus. Parle bien aux inconnus parce que ta bénédiction ne viendra pas forcément chez une personne que tu connais il y aura il peut avoir parce que pendant que je suis en train de prier je vois un inconnu te donner de l'argent pas dans un mauvais sens pas avec de mauvaises intentions mais Dieu va susciter même des inconnus pour te bénir financièrement cette semaine Dieu va susciter même des inconnus même des inconnus même ça dit vous allez une connaissance nouvelle. Quand je dis inconnu, ce n'est pas quelqu'un comme ça en route, qui te donne de l'argent. Non. Une connaissance nouvelle. Quelqu'un que tu ne connaissais pas avant, mais vous allez faire connaissance et il va te bénir financièrement. C'est-à-dire, l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Dieu veut augmenter tes finances cette semaine. Dieu veut que tu touches beaucoup. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cette bénédiction soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Que cette bénédiction soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus Christ. Alors toi qui es en train d'expérimenter, tu expérimentes les couches de nuit, tu expérimentes les nourritures nocturnes, que le Seigneur te libère de cela. Au nom de Jésus. Sois libéré de toutes ces mauvaises expériences. Sois libéré au non-puissant de Jésus-Christ. De toutes choses qui freinent ton évolution. Vous savez, les nocturnes nocturnes. Tout à l'heure même, il fallait que je continue sur, sur Facebook. C'est parce que j'ai vu, vous êtes engagé que je suis encore là. Normalement, je fais mes directs de prière sur Facebook à minuit. Donc, c'est que sur, dans quelques minutes, je vais migrer à Facebook. Sur Facebook. Parce que là-bas, certainement, il y a déjà des amis qui nous attendent. Voilà pourquoi j'ai besoin de, de tes te... j'aime. Quand tu tapotes là, c'est même ça qui me maintient ici. <laughs> quand tu me motives, quand je vois les deux cas, vraiment, je suis motivé à prophétiser encore, à continuer à demander à Dieu des choses pour toi sur TikTok. Sinon, à minuit, je suis toujours là sur Facebook, depuis quelques jours. Alors, je t'entends de dire, je t'entends de dire. Tu rêves, tu es en train de manger. Tu rêves, tu es en train de manger. Et lorsque tu te réveilles, tu te sens lourd. Tu te tu sens, tu sens ton corps pesé. Non seulement ton corps pesé, mais également tout ce que tu fais, c'est comme si c'était à mode ralentissement. Je prie que le Seigneur te délivre de ces rêves nocturnes. Je prie toute personne qui vient te nourrir la nuit, toute personne qui vient te nourrir la nuit pour te faire du mal, pour faire du mal à ta destinée, que cette nuit qu'il rencontre le feu au nom de Jésus. Que cette nuit, qu'il rencontre le feu au nom puissant de Jésus. Qu'il rencontre le feu au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu t'épargne. Que Dieu t'épargne des nourritures empoisonnées. Que Dieu t'épargne des nourritures nocturnes. Qu'il t'épargne au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. La bénédiction sera ton partage. La bénédiction sera le partage de ta famille. La bénédiction sera le partage de ta famille. La bénédiction sera le partage de ta famille. De ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alors, euh, la sœur. La soeur Libudo. Libudo. Voilà. Libudo, je pense que j'ai bien prononcé. La sœur Libudo. Je vois votre famille en train de... Je, je vois votre famille en train de passer une décennie. Une décennie un peu plus compliquée que les décennies passées. ça dit je vois cette génération de votre famille en train de, de subir euh, des choses que vos grands-parents n'ont pas subies. Hmm. Pendant que je prie pour vous, je vois que... Votre famille, cette décennie, vous êtes en train de subir que les choses que vos grands-parents n'ont pas subies. C'est-à-dire, une sorte de difficulté, une sorte de difficulté qui se répète à tous les membres de la famille. Mais pendant que je suis en train de prier pour vous, pendant que je suis en train de prier, de continuer à prier dans mon esprit, sincèrement, le Seigneur dit que. À partir de toi, beaucoup de choses vont changer. À partir de toi, beaucoup de choses changeront dans ta famille. À partir de toi, beaucoup de choses changeront dans ta famille. Alors, je ne sais pas si tu sers Dieu déjà. Je ne sais pas comment tu sers Dieu. Mais j'écoute qu'elle me serve. Qu'elle me serve. Qu'elle me serve. Qu'elle me serve. Qu'elle me, qu me serve. Le Seigneur va ouvrir des choses il va ouvrir des portes nouvelles à partir de toi pour ta famille. Le Seigneur va mener ta famille à un standing autre. Mais tu dois le servir. 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 Dois le servir. Hum. Je prie que le Seigneur commence maintenant à te fortifier où tu es. Je prie que le Seigneur te donne la force, qu'il te donne la force du buffle, qu'il te donne la force du buffle pour guérir, pour remporter tous tes combats au nom de Jésus. Aucun combat cette semaine ne te mettra par terre. Aucun combat cette semaine ne te mettra par terre. Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis. Il te donne de la supériorité sur tes ennemis. Il te donne de la supériorité sur tes ennemis. Dieu te donne de la supériorité sur tes ennemis au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Les gens qui viennent pour te faire du mal la nuit, cette nuit, lorsqu'ils viendront, ils rencontreront le feu au nom de Jésus. Cette nuit, lorsqu'ils viendront, ils rencontreront le feu au nom puissant de Jésus. Ils rencontreront le feu au nom puissant de Jésus. Ta destinée est préservée ton étoile est préservée, ton étoile est préservée, l'étoile de tes finances est préservée, l'étoile de ton mariage est préservée, l'étoile de ton emploi est préservée, au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus, tout chômage, tout chômage chronique qui touche, qui touche la famille, tout chômage chronique qui touche peut-être ton quartier, que Dieu t'épargne de cela, que Dieu te sorte de ce lot, tu sors de ce lot au nom de Jésus, tu sors de ce lot au nom de Jésus, tu sors de ce lot au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé Vanessa, Missy, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni, sois richement béni. Je prie que le Seigneur commence maintenant là à combattre tout cela qui te combattent. Je prie que le Seigneur te com combatte tout cela qui te combattent. La Bible dit qu'il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui t'affligent. Il est de la justice de Dieu de combattre pour toi. Il est, écoutez, quel est ce parent? Quel est ce parent qui ne va pas combattre pour son enfant? Son enfant qui est menacé. Alors, Dieu, il est mieux que nos parents. Il est en train de combattre. Ceux-là qui ne veulent pas voir ta réussite. J'ai dit, ce sont tes j'aime. Quand tu aimes, là, c'est mon heure déjà pour Facebook. Quand tu aimes, tu es en train de me stocker ici, là, sur TikTok. Moi, je suis nouveau sur TikTok avec les lives. C'est sur Facebook que je fais des lives un peu déjà, un peu plus. Ça fait déjà un bon bout de temps. Donc, ce sont tes j'aime là qui me maintiennent ici. Tes j'aime et tes partages. Si tu arrêtes d'aimer là, je vais m'en aller sur mon, mon Facebook. Il y a déjà mes fidèles de Facebook qui attendent. Les fidèles qui attendent sur Facebook. Donc, quand tu aimes là, ça me motive encore de prier pour toi. Parce que tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière. Tu n'as même pas idée. Tu n'as pas idée des combats qui sont derrière toi. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée des combats qui sont derrière toi. Parfois, tu fermes les yeux, tu dors. Toi, tu penses que non, rien ne se passe. Mais les gens sont en train de comploter derrière ton nom. Les gens sont en train de comploter. Si Dieu t'ouvrait les yeux, si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir comment les gens ne veulent pas ta réussite, bien aimé. Peut-être tu vas faire 50 jours de jeûne. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir comment les gens ne veulent pas. C'est-à-dire, ta réussite là, ça fait mal aux autres. Ta réussite fait mal aux autres. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui ne veulent pas te voir réussir, ils n'auront qu'à rester dans leur malheur. Ceux-là qui ne veulent pas te voir t'épanouir, ils n'auront qu'à rester dans leur douleur de cœur. Parce que toi, tu vas réussir. Toi, tu vas réussir. Toi, tu vas. Seigneur, que que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager ce live. J'ai dit que Dieu bénisse x 10. J'ai vu que tu as partagé à plus de 10 personnes. Que Dieu multiplie ta bénédiction x 10. Je déclare qu'avant 10 jours, que quelque chose se passe, quelque chose, qu'un miracle, un miracle inattendu. J'ai dit un grand miracle, parce que le, le miracle sera tous les jours, mais un grand miracle dans l'espace des 10 jours. Toi qui as partagé à plus de 10 personnes, tu auras aussi tes, tes miracles fois 10 au nom de Jésus-Christ. Tu auras aussi des miracles fois 10. Ok, papa, priez pour ma relation amoureuse. Ok, j'aime des sujets pareils. J'aime des sujets pareils. Alors, permets-moi de te le demander. C'est quel type de relation amoureuse, ma fille? J'aime des sujets pareils. C'est intéressant. Mais tu veux que je prie pourquoi? Exactement pourquoi? Tu veux que ce... Euh, ce garçon puisse te fiancer ou bien cet homme puisse te fiancer, tu veux aboutir au mariage Dis-moi exactement qu'est-ce que tu veux parce que je ne prie pas pour des relations amoureuses pour qu'après j'entende que c'était mon ex. Non là c'est pas ma prière. Tu veux l'épouser Ok, 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 ok. Seigneur, je prie mon Dieu pour Vanessa. Je prie pour Vanessa. Dans son cœur, elle veut se stabiliser. Elle veut une relation stable. Elle veut, Yahweh, oui, une personne sérieuse. Mon Dieu, je prie que toute personne qui sera sur sa route, si elle n'est pas sérieuse, que cette relation ne puisse pas aboutir, pour qu'elle puisse gagner son temps. Et toute relation, Yahweh, oui, où elle va, où elle est déjà, Seigneur, que cette relation puisse être une relation à long terme. C'est-à-dire une relation pour mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alors, pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de prier, je ne sais pas à qui cela concerne. Pendant que je suis en train de prier, j'ai vu le nom Junior. J'ai vu le nom Junior. Je ne sais pas à qui cela concerne. concerne. Est-ce qu'il y a une personne ici qui a un rapport avec un Junior J'ai vu un nom Junior. Pendant que je suis en train de prier, bon, là je suis en train de prier pour Vanessa, mais ça peut concerner n'importe qui ici-là. Pendant que je priais, j'ai vu le nom Junior. Est-ce qu'il y a un Junior ou une personne qui a un quelque chose à voir avec un quelconque Junior Junior, Junior, Junior. 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 OK. Les Kozus et bas à Malabai. Chodurrada à des Ziyata. te atekara des Jus Iyatay. Les Kozus Iyantelé de Bos Écoute, Vanessa. Ah, moi, papa. Vanessa, vous connaissez un junior. C'est ça? Ok, 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 ok. Pas étonnant parce que c'est pour toi que je t'entends de prier. Hein. C'est qui junior? Tu peux nous dire qui c'est? C'est qui junior, s'il vous plaît? Valez ça? Est-ce qu'on peut savoir qui c'est si ça ne dérange pas? Si ça dérange, on peut continuer sur WhatsApp. Mon hein. WhatsApp c'est le plus 242-04 euh, 093 57 21. Plus 242 04 093 57-21, Si tu ne te sentiras pas à l'aise de parler ici, même sur WhatsApp. Hum. Gloire à Dieu, oui. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est Jésus qui voit, c'est Jésus qui. Moi, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je dit quand vous aimez là, que Dieu vous bénisse, vous qui aimez, vous qui partagez. Ce sont vos j'aime là qui me font sacrifier mes autres enfants de Facebook. Mes enfants de Facebook m'attendent déjà là. Hier on a même arrêté, on avait un problème technique. On, le, 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 direct de Facebook hier s'est arrêté brusquement vers les une heure. Sans clôturer. Donc, ils sont là en train de m'attendre. Alors, quand tu aimes là, ça me motive. Si je ne vois plus les j'aime, je vais moi vraiment arrêter mon live. Alors, Junior, 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 Junior. Si ça te dérange, dis-moi seulement que on va continuer la conversation sur WhatsApp. J'attends la confirmation. Vanessa? Parce que quand je priais pour toi, j'ai vu ce Junior. J'ai vu ce junior. J'ai d'autres détails que j'ai vu concernant junior. Alors, je veux savoir qui est d'abord ce junior. Si on peut le savoir. Sinon, tu me le dis sur WhatsApp. On est d'accord? Sur WhatsApp? Ok. Mais je veux savoir d'abord qui est junior. Qui est junior? Pourquoi tu... <laughs> je veux savoir qui est junior. Qui est Junior? Je sais pourquoi je pose cette question. Qui est Junior? Donne-moi une petite définition. Je veux savoir qui. Je sais peut-être. Parce que mon esprit voit. Dieu permet que mon esprit puisse voir. Maros Akazia Telekajos Oto Rabba. Écoute alors. Comme tu es en train d'hésiter, moi je vais dire ce que je vois. Je vais dire exactement ce que je vois. Junior, c'est une bonne personne. Junior, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Mais, mais, il doit aussi marcher avec une bonne personne. Parce que Junior, Junior, c'est une personne un peu du genre complémentaire. C'est-à-dire, c'est le genre de personne. Vous savez. Euh, sa réussite dépend aussi avec qui il marche. Mais c'est une bonne personne. Mais sa réussite. Donc, c'est pour dire quoi Parce que quand je priais pour toi et quand j'ai vu ce junior, moi je ne savais même pas que c'était toi, tu l'as confirmé, mais j'étais en train de prier pour toi. Quand j'ai vu ce junior, je le vois. Euh, C'est-à-dire, à, à l'heure actuelle, vous ne connaissez pas encore tous ses potentiels. Comment on dit cela Vous ne connaissez pas encore toutes ses capacités. C'est à l'heure actuelle le junior que tu connais. OK. Bon. Voilà, moi je vais dire ce que je vois. Je ne sais pas si vous allez vous rencontrer encore. Je ne sais pas si vous, vous rencontrez. Bref. Mais ce junior. C'est-à-dire, euh, les gens ne voient pas encore son vrai potentiel. C'est un garçon. C'est un jeune homme. Qui a du potentiel en lui, mais qui n'est pas encore exploité. Ce n'est pas encore exploité. Mais ça va dépendre avec qui il est en train de faire route. Donc, pour dire quoi, ne jugez pas Junior en fonction de ce qu'il est maintenant. Aidez-le. Même si, peut-être, je ne sais pas, il est avec qui. Tu peux le contacter si vous avez le contact, si c'est possible. Aidez ce jeune homme. Veillez avec qui il fréquente, c'est-à-dire veuillez qui est sa petite amie, peut-être qui est sa fiancée, c'est-à-dire qui sera sa femme. Parce que si junior, le junior que j'ai vu pendant que je suis en train de prier, si il marche avec une mauvaise personne, avec une mauvaise femme, c'est fini pour lui, c'est fini pour lui. Il sera enterré sans réaliser des choses qu'il est censé réaliser. Donc ne jugez pas ce junior par rapport à ce que vous voyez. Vous n'avez encore rien vu de lui. Vous n'avez encore rien vu de lui. Absolument rien vu de lui. Je prie que le Seigneur, je prie que le Seigneur maintenant commence à stabiliser toute personne qui est en train de dandiner dans sa relation. Que le Seigneur apporte la stabilité. Je prie que le Seigneur t'éloigne. Qui t'éloigne des personnes voyous. Qui t'éloigne des personnes qui, qui font des maux de têtes. Qui t'apporte. Qui t'amène avec une personne avec qui vous allez marcher ensemble et faire route ensemble, vous comprendre au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Écoute, dans quelques minutes, je veux partir, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux partager avec toi une pensée, une pensée seulement, une seule pensée. Comme nous avons prié par rapport à vos relations-là. Écoute, ne gaspille pas. Ton temps. Mieux vaut être seul que de commencer une relation pour ne pas aboutir. Et toute relation amoureuse est censée aboutir au mariage. Au cas contraire, c'est du gaspillage du temps. Je vous l'ai dit, cœur ouvert. Bon, là, je... je, je, je vous demain, hein, la personne qui veut euh, participer, je vais aller sur Facebook. Il faudrait que je, je puisse aussi les honorer. Ça va nous donner aussi le temps de nous connaître ici sur TikTok. Mais déjà, merci beaucoup pour euh, cette belle expérience de ce soir. Alors, comme je suis en train de dire, chères dames, parce que je vois que c'est plus les dames qui ont commenté ce, ce soir. Chères filles, toute relation qui n'est pas censé vous amener au mariage, ça te gaspille ton temps. Et quand je dis gaspiller ton temps, ça va te compliquer la vie plus tard. Donc si tu es sage, il faut prier pour ton petit ami, qu'il puisse te fiancer et qu'il puisse t'épouser. Tu dois prier pour ça. Tu dois te comporter comme tel. Il doit savoir que non, cette fille... Ce n'est pas une fille que je vais juste amener à l'hôtel. Non, non, non. C'est une fille que je dois doter. Si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, les années qui vont venir, la chance devient petite. La, donc, quand tu ne le fais pas, tu penses que non, je suis encore belle, je suis jeune, je suis. Les années ne font qu'avancer. Les années ne pour qu'avancer. C'est vrai, tu peux tu peux, on peut te poser à 60 ans, mais est-ce que tu veux être posé à 60 ans? Est-ce que tu veux être opposé à 60 ans Mais la clé, c'est quoi Quand je commence une relation, je, c'est-à-dire, je, je marque. Est -à -dire la personne et le monsieur, ça peut être vice-versa. Même si tu es un homme. Quand je commence une relation, c'est-à-dire, je marque déjà que cette relation, ce n'est pas pour que dans une année, que je commence à parler. Je conjugue le verbe j'étais avec mon ex. Non, 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 non. Le mot ex, vous devez le détester. Les ex que tu as déjà eu, c'est bon. À partir de maintenant, à partir de maintenant, commence à, à prendre soin de tes relations pour que ça puisse aboutir au mariage. C'est très important. C'est la chose que je voulais partager avec vous. Là, je vais aller prier avec les amis de Facebook. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment, que cette nuit soit une nuit spéciale pour toi. Que cette nuit soit une nuit spéciale pour toi. Je prie pour la visitation angélique, que les anges te visitent, que les anges, la Bible dit, il envoie ses anges pour camper tout autour de toi et t'arracher de toute forme de danger. Aucun danger ne t'arrivera cette nuit. Aucun danger. J'ai dit que ce soit un danger spirituel, que ce soit un danger physique. Aucun danger. Aucun braquage. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus couvre ta maison. Que le sang de Jésus couvre tes affaires. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, Pamela, Pamela, caramel. Waouh, quel prénom, pa Cam Pamela, caramel. Que Dieu te bénisse. Papa, bonsoir, prie pour mon foyer. OK. Je prie, mon Dieu, pour le foyer de Pamela, Yahweh, caramel. Mon Dieu, toi, tu connais qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser. Qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser à l'heure actuelle. Mon Dieu, je prie que ta main puissante, mon Dieu, commence à rétablir. Tout ce qui était endommagé. Que ta main puissante, mon Dieu, commence à ramener le cœur de chacun là où il faut. Le cœur qui est en train de partir, je le ramène au nom puissant de Jésus-Christ. Je le ramène au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout démon qui est venu pour mettre la cisanie dans ce couple, qu'il soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit chassé au nom puissant de Jésus chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Je me marie bientôt pour mon mariage et mes enfants. OK. J'ai déjà prié pour ça. Le Seigneur a vu même dans le futur. <laughs> J'ai déjà prié pour ça. Que Dieu bénisse tes enfants au nom de Jésus-Christ. Alors soyez bénis. Moi, je veux continuer la prière sur Facebook. C'était une très belle expérience. Je vais faire l'effort de commencer un peu plus tôt ici. Le temps de voir comment gérer aussi Facebook. Parce qu'à Facebook, c'est chaque minuit, j'ai ce direct pendant quelques jours. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus Christ. Ciao.